Bonjour à toutes et tous. Peut-être répondre de manière très, très directe aux interpellations qui ont été les miennes plutôt que de prononcer un discours qui aurait, je dirais, un caractère trop abstrait, parce que j'ai noté ce qui m'a été justement dit et proposé. Je veux d'abord vous remercier pour cette invitation. Et au fond, je suis en train de clôturer ce cheminement qui a été fait pendant le temps du débat et qui a commencé avec plusieurs ministres qui m'accompagnent depuis le début le 15 janvier dernier et qui se terminera demain en Corse. Et je le quasi-clôture avec vous dans un exercice un peu particulier, puisque là, c'est, si je puis dire, la substantifique moelle de vos réflexions qui est livrée et un travail qui a été conduit pendant 2 mois sur ces 500 questionnaires, comme vous l'avez dit, comme, cher Président, vous venez de le dire. Et donc, merci infiniment pour cet engagement qui a été le vôtre et le travail qui a été le vôtre durant toutes ces semaines. Alors c'est, je dirais, pour moi doublement particulier d'être là. D'abord parce que, comme vous le savez, je suis particulièrement attaché à cette terre. Je veux remercier le président de l'Assemblée nationale qui n'oublie pas non plus son ancrage d'être parmi nous. Et je veux excuser un autre grand breton, Jean-Yves Le Drian, qui m'a écrit un petit message ce matin. Mais il est retenu aux États-Unis entre New York et Washington, sinon vous pouvez être sûr qu'il aurait été parmi nous également. Ce qui vient illustrer, Président, ce que vous venez de nous dire, le Breton est voyageur, mais même à l'autre bout du monde, il pense toujours à sa Bretagne. Je peux en témoigner. Et ce merci que je veux vous adresser ce matin, c'est aussi celui que je voudrais, par votre truchement, adresser à l'ensemble de nos concitoyens. Parce que ce que nous avons fait depuis, tous ensemble, depuis janvier dernier, ça a été une implication de tous et toutes. Il y a environ 1,5 million de Françaises et de Français qui ont activement contribué au grand débat et qui ont donc décidé de donner de leur temps, de leur réflexion, de participer à ce travail collectif. Et énormément d'élus, en particulier les maires, mais de parlementaires, de conseillers départementaux régionaux qui ont également donné de leur temps. Et donc je veux vraiment aujourd'hui à la fois vous remercier et les remercier pour cet engagement et pour que nous ne sous-estimions pas ce que nous sommes en train de faire. Tout ça est né d'une crise, d'un mouvement de colère qui est aujourd'hui devenu, à bien des égards, un mouvement de violence auquel, je tiens à le dire, je ne céderai rien et l'ordre public sera maintenu. Mais il a permis de faire émerger une expérience démocratique complètement inédite. Et inédite dans toutes les démocraties occidentales quand nous les regardons. Et à cet égard, je suis fier de notre pays pour cette capacité à avoir irrigué partout le débat, les propositions. Et donc c'est une immense responsabilité maintenant pour nous tous et pour moi au premier chef qui va être d'y répondre et donc de prendre les décisions qui vont avec. Et de le faire avec, je dirais, la conviction que ça ne peut être ni un reniement de ce qui a été fait pendant 2 ans, ça n'aurait pas de sens. Ça n'est pas choisi un programme, des projets, puis au bout de 2 ans, on abandonne tout parce qu'il y a en quelque sorte une colère, ni un entêtement, parce qu'il y a aussi des messages qui sont envoyés, des demandes claires qui n'ont peut-être pas toujours été entendues jusque-là et qui supposent d'apporter une nouvelle réponse. Et donc le temps dans lequel nous entrons est pour moi celui de la redéfinition du projet national et européen, c'est-à-dire d'une capacité aussi à revisiter des choses dont nous n'avons pas discuté dans le débat public au moment des élections présidentielles, qui parfois étaient enfouies depuis très longtemps et qui doivent nous conduire à redéplier, d'ailleurs dans vos propositions il y a beaucoup de cela, des choses auxquelles nous nous étions habitués, et d'aller peut-être parfois au-delà des symptômes simplement exprimés ou des demandes sur tel ou tel sujet pour voir ce qu'il y a derrière et essayer d'y apporter une réponse plus profonde. Et moi, je n'oublierai pas les maires qui, comme vous aujourd'hui, m'ont sollicité, m'ont dit leur impatience, parfois leur découragement, leur volonté de simplicité, de proximité, pas plus que je n'oublierai les interpellations que j'ai pu recevoir dans les milliers d'échanges que j'ai eus de celui ou celle qui travaille chaque jour mais considère qu'il ne peut plus vivre de son travail dignement, qu'ils soient agriculteurs, artisans ou salariés, des femmes seules élevant leurs enfants et n'arrivant plus à s'en sortir, qui, je crois, sont une vraie émergence démocratique
de ce moment, parce qu'on ne les voyait pas, et elles sont apparues au rond-point, ou justement lors de ces débats. Des agriculteurs, vous en avez parlé, j'y reviendrai, qui veulent eux aussi vivre dignement de leur travail, de nos retraités, qui ont exprimé une angoisse, et pas simplement une angoisse monétaire pour eux-mêmes, mais une angoisse pour ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils seront dépendants, l'angoisse de ceux qui ont à la fois assumé les parents et les enfants dans un monde qui se transforme.